ils pourront déjà fêter avec leurs 100$ chacun. C'est pas 100$ pour tout le monde, hein. Non, non, ce sera 100$ chaque participant. Bonjour à toutes les First Ladies, bonjour à Énergie de Londres, cette dame-là que j'aime beaucoup à cause de l'énergie qu'elle a en elle et qu'elle partage toujours avec nous. Je dis bonjour à la dame Ricky Akwaet, je dis en particulier bonjour et merci à tous ceux et celles qui nous suivent, car sans vous, l'émission là n'aura pas de sens. Sans vous, ce serait chose vaine. Sans vous, on ne peut pas continuer dans cette émission. Pour cela, je vous remercie et je profite de l'occasion de cette vidéo pour vous demander vos questions. N'ayez crainte de nous poser des questions, n'ayez crainte de laisser vos commentaires, car moi je dis toujours, quelque chose qui veut avancer dans la vie a besoin de la vie des autres dans son entourage. Voilà, et l'émission, nous voulons vraiment que l'émission continue, que ça s'arrête pas sur cet premier épisode. Donc, nous avons besoin de vos sujets, de vos suggestions, de vos questions et tout. Voilà. Sans plus tarder, dans les vidéos précédentes, il y avait eu des questions auxquelles j'aimerais répondre ce matin. Voilà, comme j'ai un bout de temps, je vais rapidement répondre à ces questions-là. Et la première question, je crois, il s'agissait de comment j'arrive à gérer l'utilisation des produits éclaircissants avec le soleil de l'Afrique, avec le temps qu'il fait en Afrique, en particulier au Bénin. Je dirais, c'est vrai, c'est pas facile, c'est pas chose facile. Mais aussi, en même temps, il est question d'organisation et il est question de volonté. Pour répondre, je dirais la première des choses, vous devez fuir le soleil comme le diable. Le soleil doit être votre ennemi, quand bien même nous sommes en Afrique ou bien vous êtes en Afrique. Le soleil doit être le diable, quand votre diable, quand on dit le diable en personne, vous devez éviter le soleil au maximum. Mais certaines personnes peuvent me dire non, tu ne peux pas fuir le pays tout en étant en Afrique avec les rayons soleil et tout. Oui, c'est vrai. Quand on dit cela, par exemple, tu as une activité, tu passes les produits éclaircissants, tu veux sortir dans la journée, tu dois veiller à ce que
tu te protèges quand même avec une crème solaire. Pas moins de 50 des choses là. La valeur doit être au moins 50 plus. Pas moins de 50 plus. Et tu prends le temps quand même de bien passer ça et de bien te couvrir le corps avec. En dehors de cela, quand tu sais que tu as des courses à faire ou tu es censé t'exposer au soleil, tu dois éviter au maximum le soleil de 10 heures, le soleil de 11 heures, à partir de 11 heures à 16 heures. Ce temps-là, le rayon solaire est plus fort. Et c'est là où ça abîme vraiment le teint. Soit tu es quelqu'un, tu restes au bureau toute une journée, oh, tant mieux. C'est encore bon pour toi, ça t'arrange. Mais le jour où tu as des pouces à faire, tu dois te mettre à l'abri du soleil. Soit tu mets, ce n'est pas soit, tu mets une crème solaire de plus de 50 plus, tu mets une casquette ou bien tu mets un habit qui te protège quand même tout le corps, le bras et tu sors. Maintenant, en voulant sortir au soleil, tu ne mets pas de crème, tu ne mets pas ta crème éclaircissante, tu mets juste une crème solaire et tu essaies de protéger un peu plus ton corps. Maintenant, en ce qui concerne d'autres, on me dit, mais en Afrique, souvent, on est en moto et qu'on sort. Moi, je rends grâce à l'Éternel, lui qui m'a béni et quand même, qui m'a fait grâce, je ne vais pas en moto. J'ai mon véhicule où j'arrive quand même à me déplacer. Et fils ou c'est le matin, il va au bureau et par exemple c'est elle vend, elle a son petit business où elle doit faire du va-et-vient et tout. Il faut t'en passer, tu ne mets pas crème, ta crème dans la matinée, tu gardes ta crème pour le soir. Une fois à la maison, tu essaies d'essuyer ta peau, de dormir bien correctement ta peau et tu mets ta crème, tu vas te coucher quelques temps, quelques minutes après. C'est si simple. Maintenant, il y a une autre qui a demandé si le produit ne coûte pas. Le coût du produit. C'est vrai, en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Sans vous mentir, au Bénin, par exemple, le produit est versé, mais c'est la contrefaçon. C'est le faux. C'est le faux. À 100%. Donc, du fait qu'on n'a pas le vrai produit, avec nous ici, on est obligé de faire la commande depuis les États-Unis. Moi, par exemple, je fais la commande avec Madame Ricciard depuis les États-Unis. Mais laissez-moi vous dire que le coût du produit est à la bourse moyenne. La bourse moyenne, quelqu'un qui veut vraiment une bonne chose à la bourse moyenne et qui a la bourse moyenne. Parce que sur un produit qui doit quitter les États-Unis pour le Bénin, par exemple, sur un seul produit, même si c'est un seul produit, tu paies jusqu'à 50 000 francs CFA. Maintenant, il y a les frais de la douane. Arrivé à la douane facture cela en fonction du produit qu'il y a dedans. Les produits, si c'est un produit à base d'année, bon, ils ont la façon, en tout cas, ils ont leur manière de facturer les produits parce que une fois le paquet avec eux, ils ouvrent le paquet, ils passent au four et en fonction de cela, ils facturent les paquets. Et je lance un appel, c'est en fonction de ça que la dame Ricciard nous demandait, pour ceux qui sommes en Afrique ou n'importe où ailleurs, si on peut faire une commande, des commandes en groupe. Quand les commandes sont en groupe, ce serait encore plus facile. Par exemple, quelqu'un qui commande 2 produits, quelqu'un qui commande 10 produits, quelqu'un qui commande 6 produits, entre vous, entre les 3, vous vous partagez les frais d'expédition, vous vous partagez les frais douaniers. Vous voyez, on voit, non? Donc c'est colossal, c'est capital. Ça diminue déjà les frais de ce côté-là. Maintenant, après cela, je crois qu'il y a encore une autre question. Non? Si je n'ai pas oublié. Donc voilà, en ce qui concerne le soleil, en ce qui concerne. Maintenant, avec moi, je vais vous dire, je le dis toujours,
avec les produits précisants, bons produits précisants hydratants. Ça prend un peu de temps à venir et il faut être patient. Il faut être patient. J'espère que vous avez vu d'où je suis venue, le temps que je suis en train de faire déjà avec mes produits et les résultats sont devant vous. Donc voilà. Le site internet est enfin disponible. Voici quelques astuces. Vous avez là le mode ordinateur et iPad et le mode téléphone. Vous pouvez cliquer à tout moment sur le panier pour voir vos achats et vous pouvez modifier les quantités comme vous voulez. Vous pouvez éliminer les produits que vous ne voulez pas. Ensuite, vous choisissez votre destination, votre mode d'expédition et vous payez en toute sécurité. Voilà, vous venez ainsi de faire le tour du site internet. Tout ce que vous avez fait, c'est de faire vos achats. Et aussi, n'oubliez pas, vous pouvez participer à Brunch Beauty, qui est une très grande aventure que nous commençons et qui se tient sur 6 mois. Cette aventure vous permet ainsi de partager avec les autres les produits que vous utilisez et les résultats que vous avez. Vous avez également beaucoup d'avantages à participer. Donc n'attendez pas, n'hésitez pas à participer. Envoyez juste un candidat à mon numéro WhatsApp et on va discuter de tout ça. Aussi, n'oubliez pas de voter pour les candidates déjà en ligne parce qu'elles font beaucoup pour nous, elles font beaucoup pour les femmes, elles font beaucoup en partageant toutes leurs expériences et tous leurs secrets. Voilà, je vous remercie et on se dit à la prochaine.